Donc, aujourd'hui, je suis vraiment ému de vous souhaiter la bienvenue à ce Qu'est-ce qui serait explorant un budget fédéral alternatif pour l'année 2024. Et annuellement, et je pense qu'il y a déjà 3 ans, on a ôté des événements de mise à jour de l'état de la sécurité alimentaire, donc dans tout le Canada et ici à la Nouvelle-Brunswick. Et aujourd'hui, on va ajouter quelque chose d'extra. On va présenter un orateur qui est ici pour nous parler un peu de ces mises à jour, où on se trouve en ce moment, ce qui a à voir avec la sécurité alimentaire au Canada, la Nouvelle-Brunswick surtout, mais aussi il va nous présenter un nouvel outil. C'est le budget fédéral alternatif, qui est un document vraiment beau, mais aussi assez grand. Mais c'est un document visionnaire que le Centre canadien pour les politiques alternatives est à la tête. Et on étudie le potentiel si on peut investir directement à la sécurité alimentaire ainsi que dans d'autres zones aussi. Donc, la sécurité alimentaire, c'est une des sections de la AFB ou AFB. Donc, on va vous présenter cette mise à jour où on se trouve, le potentiel d'impact avec un budget fédéral alternatif. Et aussi, on va parler d'autres outils de politique. Notre présentateur va travailler, nous présenter d'autres approches pour mobiliser l'action. Et bien sûr, à la fin, on va passer à une session de questions-réponses. Avant de passer, alors, à la présentation de notre orateur principal, je passe la parole à Audrey pour qu'elle puisse partager quelques points techniques et d'étiquette. Bonjour tout le monde. Donc, je pense que tout le monde connaît bien la réunion sur Zoom. De toute façon, j'aimerais vous inviter de couper vos micros pour réduire le son à l'arrière. Si vous voulez, vous pouvez allumer la vidéo, la caméra. On aime voir vos visages. Cette réunion est enregistrée, mais si vous voulez, vous pouvez allumer vos caméras. Et avant de terminer, si vous voulez utiliser la caisse de chat pour poser n'importe quelle question, ça peut être dans la session des questions-réponses ou bien pendant la présentation, on va la lire et on va essayer de répondre à toutes les questions possible. Et c'est tout. Et si vous suivez ces règlements, tout va marcher bien. Donc, merci à tout le monde. Merci, Audrey. Bien. Alors, maintenant, je présente l'orateur principal, Anthony Moussiva. Anthony a un PhD et est un conseiller de l'action de pauvreté avec le Centre de communauté alimentaire Canada et travaille dans le Département de recherche à Edmonds et à l'Université Edmonton, et il est membre du Centre de recherche à l'Université des enfants et de la famille. Sa pratique et ses recherches se concentrent principalement dans l'intersection de la pauvreté, la santé des enfants et le bien-être des enfants. Son travail reçoit beaucoup de primes, en incluant le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture. Et le Centre de développement et recherche internationale et récemment le Centre social et le Conseil de recherche scientifique. Dans son travail, il travaille social, loi, enquête et d'études de développement reçues au Canada, le Royaume-Uni et le Zimbabwe. Donc, il sait deux, trois choses, il connaît deux, trois choses. Donc, avec ça, alors, Anthony, je te passe le micro. Tu peux commencer à partager tes diapositives. Et je dois faire savoir qu'il y a d'autres orateurs. Donc, avant de te passer la parole, Anthony. Interprétation en français. Nous venons tout juste de recevoir les diapositives en français. Alors, ce que nous allons faire, nous allons les mettre dans le chat, puis vous pouvez suivre comme ça. Aussi, nous allons partager les diapositives après l'événement. Alors, nous les enverrons par courriel si besoin. So, just a quick note that we will also be sharing these slides out to Donc, participants. très rapidement, on va partager cette diapositive avec les participants. Donc, Anthony, vous avez la parole, allez-y.
Merci beaucoup, Jules. J'apprécie énormément cette présentation et vraiment, je n'ai rien à ajouter à cette présentation, sauf que j'apprécie l'opportunité de présenter, de parler à tes associés, collègues et ton réseau autour d'une problématique qui est essentielle pour les Canadiens et pour le centre communautaire au Canada, ainsi que les associés qui vont travailler avec nous et personnellement, moi-même. Donc, j'apprécie énormément le temps dédié. J'apprécie la présence de tout le monde ici. Donc, dans ma présentation, je vais partager des expériences de ce processus. Et si vous voulez poser vos questions, si vous avez avez besoin d'une question, s'il y a vraiment un point qui est très important qui ne peut pas attendre à la fin de la session, donc allez-y, posez votre question. Donc, alors allons-y, on peut commencer immédiatement. Avant d'entrer dans les détails de la sécurité alimentaire, je vais vous parler de la situation de la sécurité alimentaire chez nous, dans notre pays, dans nos provinces, la Nouvelle-Brunswick. Quand on parle de la sécurité alimentaire, c'est très important de savoir le sujet, de connaître, parce que ça veut dire que une définition différente, hein, dépendant de la personne. Donc, dans le contexte de cette présentation et le contexte du budget fédéral, on va parler d'un problème très spécifique qui a à voir avec l'accès à l'alimentation et la disponibilité des aliments et aussi la possibilité de pouvoir acheter. Donc, on va parler des limitations économiques et l'accès à l'argent. Donc, vous allez avoir une idée de comment nous, on pense à la sécurité alimentaire quand on parle de la disponibilité alimentaire pour tout le monde. On parle de la disponibilité, on parle de l'accès. Moi, dans le contexte de cette présentation et l'alternative, on va observer la possibilité ou le manque de possibilité d'avoir accès aux aliments à cause des finances limitées. Donc, ceci s'est expérimenté différemment dans les différentes maisons. Donc, il y a des foyers individus qui se préoccupent ils vivent de chèque par chèque. Donc, peut-être que ça peut leur tarder 3 semaines, des 4 semaines, 2 mois. Donc, c'est des personnes qui se préoccupent de le prochain chèque pour remplir leur boîte. Donc, il y a d'autres individus aussi et d'autres familles aussi qui peuvent avoir des problèmes avec la qualité ou la quantité d'aliments. Donc, au lieu d'en manger 3 fois par jour, ils peuvent manger 2 fois par jour. En ce qui a à voir avec la qualité des ingrédients sont réduits, la qualité de la protéine sont réduites parce que ils ne peuvent pas acheter la quantité recommandée standard. Et il y a d'autres aussi situations qui limitent la personne parce qu'il y a il y a certains cas où la personne n'arrive pas à manger pendant plusieurs jours. Donc, alors, le même terme a une définition différente. Mais quand on combine ces trois catégories, alors on peut avoir une meilleure idée quand on parle de la sécurité alimentaire. Et ça va nous aider à avoir une compréhension de chaque catégorie et de déterminer qui se trouve où. Donc, quand vous regardez ces numéros dans le contexte canadien, vous allez voir que on a l'expérience et près de 9% la sécurité alimentaire a augmenté entre 2021. Donc, de 2018 à 2021, dans d'autres cercles, vous allez écouter que ça peut arriver à 2022. 2021 à 2022, c'est la même chose. Mais au moins 20% des Canadiens ont vraiment du mal pour acheter des aliments à cause d'un problème d'une économie limitée. Et
On compte avec 1,8 million d'enfants dans ce chiffre. Et ces enfants se trouvent dans une situation de sécurité alimentaire. On est en train d'expérimenter une augmentation au lieu d'une réduction ou d'équilibre. Et peut-être on peut retourner à l'année 2010, 11 et 12, où le numéro était bien beaucoup plus bas. Donc, on n'a jamais vu un point dans l'histoire de la sécurité alimentaire du Canada qu'on a expérimenté cette descente. Au contraire, on remarque que le numéro augmente dans les dernières années à suivre. Donc, pareillement, les choses, quand on arrive à la Nouvelle-Brunswick, quand on parle du contexte provincial, c'est la même histoire. Bien sûr, un peu plus haut que la norme, un numéro. Ici, on expérimente environ 22% d'augmentation de la sécurité alimentaire entre 2018 et 2021. Dans le pays, c'était 1%. Donc, vraiment, c'est vraiment beaucoup plus élevé que la moyenne nationale, la moyenne canadienne. Donc, ce sont des expériences vraiment très dures, surtout quand on considère que aucun individu, aucune famille doit faire face à l'insécurité alimentaire, surtout dans les pays comme le nôtre. Donc, c'est une situation poignante pour le Canada et aussi la Nouvelle-Brunswick. Quand on divise à différents types de familles, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que dans les familles d'un seul parent ou des personnes qui vivent seules, qui vivent avec des roommates, ces personnes expérimentent une insécurité alimentaire beaucoup plus élevée que les autres familles. Et en ce qui a, on veut savoir quelles sont les causes pour ça. Donc, alors, la moitié des familles à la Nouvelle-Brunswick. Donc, ça, c'est cause de préoccupation. Les personnes qui vivent avec des roommates représentent 28%. Il y a des familles aussi avec des enfants. Et ça aussi, c'est élevé. C'est 25%. Donc, on pourrait dire que c'est peut-être, il y a trois types de familles qui ont vraiment du mal à avoir une sécurité alimentaire. On n'a pas de données pour les familles d'un seul parent, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas en train d'expérimenter cette problématique. Elles expérimentent, mais malheureusement, on n'a pas les données nécessaires pour montrer la prévalence de cette problématique chez les familles d'un seul parent. Mais quand on observe ce qu'on appelle typiquement les cartes d'équité, et ça, c'est aussi pas pour parler d'autres groupes qui sont affectés de la métalliste. Quand on voit ces différences, on commence à se demander, on commence à vouloir savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Par exemple, quand vous voyez que dans les communautés autochtones ou les familles autochtones, environ 40% à Nouveau-Brunswick, c'est une population. Quand on observe la composition de la population, c'est 5% de la population totale. C'est assez élevé. Et ça, c'est une situation d'alarme. Ici, pour le propos de cette présentation, je la présente, mais il y a des disparités, des différences dans la communauté elle-même. Donc, vous voyez que des communautés qui sont beaucoup plus élevées, trois fois plus élevées que les familles à blanche. On voit aussi des communautés qui expérimentent des défis, les communautés asiatiques qui expérimentent des défis, mais aussi on voit des communautés d'un point de vue de la population, la composition de la population, moins ça de 4% de la population totale. Il y a
un impact assez élevé. Quelques années. Spécialement. Les familles avec les enfants aussi sont affectées en ce qui a à voir à ça. Les personnes avec des étudiants aussi ont un impact assez énorme, les données nous montrent. Aussi, les membres de la communauté LGBTQ. En ce qui a à voir avec la sécurité alimentaire au Canada, on n'a pas encore commencé à travailler avec consistance autour de la mesure de ces démographiques, mais on sait qu'elles sont affectées. Et il faut faire face à cette situation. On observe aussi, avec le revenu. La plupart des personnes qui travaillent, qui ont revenu, qui ont un salaire, qui dépendent de ce salaire ou qui sont auto-employés, environ 52% sont impactés. Donc, on commence à se demander si le stéréotype traditionnel des besoins nécessaires dans le marché local vaut vraiment la peine à ce point, ou si c'est durable à ce point, que vous avez la moitié ou plus de la moitié des individus qui travaillent dans une maison. C'est à ce moment qu'on commence à se demander alors qu'est-ce qui se passe. Aussi, on voit des familles et des individus qui dépendent des transferts. Donc, vous voyez l'assistance sociale, assurance, emploi. Quand on observe, on étudie d'autres bénéfices sociaux et le revenu pour les aînés, par exemple, aussi. Ça fait partie aussi de la contribution des familles qui expérimentent l'insécurité alimentaire au Canada. Donc, ici, je vous montre dans cette graphe une image nationale. Mais les tendances sont similaires à la Nouvelle-Brunswick. Donc, il faut faire attention à comment on analyse et on collecte les données pour l'analyse dans un contexte provincial. Quand on commence à approfondir alors la sécurité alimentaire et qu'est-ce qu'elle veut dire, ce qu'on voit, c'est que la sécurité alimentaire, c'est juste une fenêtre qui nous permet de comprendre les circonstances des foyers. Ce qu'on peut voir, c'est que les foyers qui expérimentent la sécurité alimentaire expérimentent aussi d'autres problèmes, comme par exemple payer le loyer. Ils pensent toujours à payer le loyer avant de penser à l'alimentation. Donc, les personnes qui ont des problèmes de sécurité alimentaire, on a déjà des données qui nous montrent que ce sont des problèmes qui ont des problèmes pour payer le loyer, qui ont besoin de l'assistance sociale pour payer jusqu'à 60%. Ils utilisent jusqu'à 60% de leurs revenus pour payer le loyer seulement. Mais quand vous voyez l'assistance sociale complémentaire, elle n'est pas suffisante même pour qu'ils aient accès à la nécessité de base. Donc, ça, c'est un problème pour les familles et les individus qui ont un problème de santé, un problème sanitaire et qui font face à plusieurs défis pour pouvoir acheter les médicaments, entre autres. Alors, quand on entre en détail, vous allez remarquer que la sécurité alimentaire n'est pas un problème de limitation alimentaire et ça ne s'arrête pas avec les aliments dans le foyer, sinon c'est tout un phénomène complet qui capture tous les points, tout ce qui a à voir avec le foyer. Et assez souvent, ces personnes doivent choisir, OK, est-ce que je paie mon loyer ou j'achète à manger? Est-ce que je garde de l'argent pour payer le transport ou je mange? C'est une décision assez difficile, pour vous dire franchement. Et dans un pays comme le nôtre, dans une province comme la nôtre, je vous dis, on ne devrait pas compter avec des personnes, des individus. Et ils ne devraient pas prendre cette décision aussi difficile. Aussi, il y a
Une grande quantité de recherches qui montre la corrélation entre la sécurité alimentaire et la santé, dans un niveau individuel du foyer, mais aussi national. Ceux qui expérimentent l'insécurité alimentaire ont beaucoup plus de possibilités de faire face à des problèmes de santé mentale. D'autres problèmes de santé comme la diabète, manque d'énergie, anémie. Donc, il y a vraiment une grande quantité de maladies. Donc, quand on parle aussi de la santé mentale, on parle de la dépression. C'est vraiment une pression assez forte. Si tu ne sais pas comment tu vas survivre, comment tu vas acheter de la nourriture, comment tu vas nourrir tes enfants, ça, c'est vraiment énorme. Ça fait partie de la problématique que j'ai déjà mentionnée. Donc, ça affecte la santé des personnes. Donc, ça augmente l'interaction avec le système sanitaire. Et ces interactions indiquent qu'il y a beaucoup plus d'argent qui peut entrer dans la maison. Et on a des enquêtes qui nous montrent que l'insécurité alimentaire est connectée à l'utilisation du système sanitaire, des urgences, entre autres. Récemment, j'ai trouvé cette étude qui suivait des individus et une famille pendant une décennie. Et quand ils ont commencé à prendre les mesures et prendre les données dans ces foyers, et ces foyers, il n'y avait aucun problème de santé, il n'y avait pas de problème de diabète, ni anémie, ni d'autres. Mais après 10 ans, ils ont commencé à présenter ces conditions. Et ce n'est pas seulement le cas de l'insécurité alimentaire, mais définitivement, la sécurité alimentaire était une composante principale. Donc, aussi, elle a à voir avec la mortalité avant l'heure. Donc, c'est le décès avant l'âge normal, si on peut dire, ou l'attente dans le contexte canadien, c'est entre 83 et 85 ans. Mais les études ont montré que l'insécurité alimentaire augmente la possibilité de décès par 9 ans au moins. Donc, ça, c'est il faut se préoccuper. Et quand on ajoute tout, ça contribue à nos dépenses de sanitaire. Ces dépenses viennent des impôts. Donc, direct ou indirectement, tout le monde paye pour les défis qui ont à voir avec l'insécurité alimentaire. Spreading, right, in the Canadian context. Non-communicable diseases are really up there. And then food security is like number two, right? So, and non-communicable diseases, cancers and stuff like that. Quand on parle de maladies non transmissibles comme le cancer, pas comme forcément le cancer, on fait face à des problèmes comme le diabète et d'autres maladies qui, en fait, affectent nos dépenses. Nos dépenses et notre système de soins de santé. Donc, on passe en fait d'être un problème alimentaire vers un problème de santé publique. Et dans ce contexte, c'est là où nous venons quand on voulait vraiment réimaginer ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pourrait faire avec cette insécurité alimentaire. Et les politiques en sécurité alimentaire dans le contexte canadien. Si vous avez du temps, alors vous pouvez lire le briefing qui porte sur le budget fédéral d'alternative. Il y a beaucoup d'inspiration, il y a beaucoup d'idées qui sortent, qui viennent des communautés et les processus viennent vraiment du terrain et de partenaires qui collaborent sur le terrain et qui partagent leur expérience et ramènent leurs idées à la table des décideurs. Donc, en fait, c'est un projet ou c'est une initiative qui est dirigée par le Centre pour les budgets d'alternatives et il le fait depuis 24 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la version 2024. Ils ont collaboré avec d'autres experts où vous avez à peu près 50 organisations afin de devoir de repenser comment on pourrait aborder pas seulement l'insécurité alimentaire, mais d'autres problèmes dont fait face le contexte canadien. Et donc,
Donc, le budget alternative fédérale a 26 chapitres et la sécurité alimentaire fait partie d'un chapitre. Et comment le processus fonctionne? En fait, le CCPA se rassemble, exprime, en fait, parle de plusieurs sujets. Et ces organisations, en fait, on les appelle experts. Mais en fait, ce sont juste des représentants d'organisations et de communautés qui vivent des problèmes réels comme l'insécurité alimentaire. Et donc, en fait, ils forment des groupes qui développent des idées, qui consultent leurs organisations, leurs communautés pour aborder certains problèmes. Et cette année, pour AFP 2024, le centre canadien pour les politiques alternatives, j'ai eu la chance de faire partie de ce groupe et nous avions six autres organisations partenaires de plusieurs secteurs qui ont des expériences et des forces différentes et nous, en complément, se complémentent. Nous conduisons des organisations, nous consultons les parties prenantes. Par exemple, si on travaille sur le CFCC, nous avons un réseau de à peu près 400 partenaires qui effectuent des consultations par rapport à comment nous pouvons aborder la sécurité alimentaire, qu'est-ce que vous voyez. Et puis, on se rassemble comme groupe de travail et nous élaborons quelques éléments, des points de. Et le IFCC a été le leader dans ce sens. Donc, ce qu'on voulait, en fait, c'était capturer les problèmes qui affectent les populations, les personnes. Et quand ceci s'est fait, en fait, c'était juste après après que le budget 2023 a été voté. Donc, il y avait beaucoup de frustration en matière de ce que les gens attendaient en matière de budget en 2023. Il n'y avait pas beaucoup de choses pour les populations. Et certaines de ces choses ont été mises en lumière un peu, mais il y avait beaucoup d'enthousiasme, il y avait beaucoup de frustration par rapport à ce que le gouvernement fédéral pouvait faire. Et ce budget alternatif nous permet d'exprimer ces points de vue, ces programmes qui peuvent vraiment porter sur l'insécurité alimentaire. Alors, le cœur de cette approche que je vais mentionner ici, c'est vraiment aborder les causes profondes de l'insécurité alimentaire. Au début, quand nous avons défini la sécurité alimentaire, on avait parlé directement de l'inégalité des revenus. Donc, il est tout à fait normal qu'on puisse réfléchir à l'insécurité alimentaire comme un problème qui est dû à une inadéquation du revenu. Et c'est une intervention également. Ce ne s'agit pas de tout, mais c'est un composant, un seul composant. Quand vous regardez les tendances en matière de comment les gens devraient s'occuper de ou répondre à leurs besoins de base, on pense au problème, au travail, à l'emploi. Mais quand nous voyons ces 30 ou dernières, 40 dernières années, le marché du travail est devenu de plus en plus précaire. Et vous voyez également l'augmentation du travail à mi-temps. Nous voyons une augmentation des lois sur la protection, la loi sur les salaires. Quand on parle de précarité, il s'agit de cela. Et la précarité, en fait, c'est une composante inévitable de n'importe quel marché de travail. Mais c'est qu'à travers les années, il croît. Et cette croissance devient de plus importante. Et c'est alarmant. On parle également des productions et de productivité et de salaire. Depuis les années 70, la productivité dans le contexte canadien, productivité économique a augmenté de 21%. Mais l'augmentation des salaires n'a pas suivi, elle est seulement de 3,4%. Donc, ceci ne, ça, ne, se, ne se rencontre pas. Donc, ça veut dire que l'employeur paie d'autres impôts de façon différente. Néanmoins, la leçon apprise, ce n'est pas que 21%, ça ne devrait pas être de 21% et le salaire de 3%. Nous devons également réfléchir à la société libérale qui est capitaliste, comme le Canada. Le gouvernement a la responsabilité de fournir des
la sécurité sociale, notamment ceux qui n'ont pas dans ce marché de travail. Donc, répondre aux besoins du marché. Et si cette personne ne peut pas avoir un travail, alors le gouvernement a l'obligation de vous aider. Et nous n'avons pas vu cela sur le terrain. Peut-être que ça se fait, mais toujours, nous devons l'améliorer. Et surtout, si on prend en considération le marché libéral, où nous voyons maintenant les gens qui ne peuvent pas participer dans ce marché de travail, et donc le gouvernement devrait intervenir pour les aider. Donc, l'objectif est de renforcer le revenu et d'avoir des opportunités pour réduire l'insécurité alimentaire. Et quand vous réfléchissez, j'avais parlé au début des différentes populations qui sont disproportionnellement affectées. Si vous regardez les causes profondes de ce problème, vous allez trouver que nous avons le colonialisme qui fait partie de cette historique et nous avons également l'opportunité de répondre ou faire face à ces inégalités coloniales. Quand on parle de notre histoire avec le racisme, nous avons de différentes compétences pour aller ou naviguer notre système. Quand nous approchons nos politiques dans ce cadre de l'histoire, des inégalités et des inéquités, nous devons être réimaginés, repenser des politiques qui fonctionnent. Et ce que cela veut dire quand on réfléchit à notre histoire, c'est de penser à notre culture. Il existe de plusieurs façons d'approcher l'alimentation, d'approcher la subsistance. Il existe plusieurs manières d'approcher le travail. Il existe façons différentes d'approcher les relations. Donc, comment pouvons-nous collaborer? Comment nous pouvons-nous collaborer les uns avec les autres? Et donc, il est important de voir comment les différentes cultures approchent le problème alimentaire. Donc, au sein des communautés autochtones, ils ont déjà leur système alimentaire sur place. Et donc, nous devons avoir des politiques qui reflètent ces systèmes spécifiques à différentes communautés. Mais ça ne se fait pas quand nous voyons la prolifération et la croissance des politiques basées sur le marché libéral, qui est basé sur l'appropriation, sur l'extraction, l'extractivisme et l'industrie d'extractivistes. Et ceci affecte vraiment d'autres systèmes alimentaires présents. Donc, quand on parle d'insécurité alimentaire, c'est pour cette raison que je dis qu'il ne s'agissait pas forcément d'alimentation. Ce sont ces industries et les politiques qui ne sont pas nécessairement personnalisées face aux réalités des personnes. Donc, nous devons investir sur la façon avec laquelle nous travaillons. Et l'une des leçons que nous devons, l'une de ce que nous voulons faire, cette diapo démontre en fait les 4-5 piliers que nous pensons pourraient capturer en fait les problèmes de la sécurité alimentaire que nous vivons actuellement en matière de retour de nos communautés. Et donc, je vais passer par chacun d'entre eux en détail. Le premier, nous réfléchissons entre autres, quelle est la cible de l'insécurité alimentaire fédérale? Quand vous réfléchissez à une cible, le gouvernement fédéral a été très consistant. Et nous avons des domaines d'amélioration, mais il a été constant pour mesurer cette insécurité depuis 2004. Mais nous n'avons pas de cible. Si vous n'avez pas de cible et si vous ne savez pas où vous allez, alors vous ne savez pas si vous progressez. Et c'est pour cette raison que nous avons des chiffres qui augmentent depuis 2010 à 2011 jusqu'à présent. Alors, comment pouvons-nous vraiment mieux faire? Nous devons établir des cibles pour dire nous sommes là et où nous devons aller. Alors, qu'est-ce que ces cibles vont faire? En fait, c'est pour la redevabilité. Et avec les cibles, nous pouvons investir et mettre des postes que nous pouvons, des points de pression. Ce sont les points qui nous permettent d'avoir plus d'action. Et ces points, vous pouvez attirer les ressources quand elles sont requises. Et nous avons vu ce point se produire avec d'autres groupes de population. L'introduction des bénéfices de l'avantage pour l'eau Canada. Et ce sont des cibles, rappelez-vous toujours, ils sont personnalisés pour réduire la pauvreté au Canada. Et c'est l'objectif, et c'est de réduire la pauvreté d'ici 2030. Et qu'en est-il si on pouvait faire la même chose, mais en termes d'insécurité alimentaire? On pourrait avoir le gouvernement à réduire la sécurité alimentaire d'ici 50% d'ici 2030 et peut-être 33% d'ici 2026.
Et la raison pour laquelle nous avons choisi 2021, en fait, c'est parce que notre ligne de base, tout simplement parce qu'on parle des chiffres qui ont été sur la base des chiffres qui ont été donnés auparavant. Ce sont les chiffres les plus connus, les plus élevés et que nous avons connus jusqu'à présent. Donc, quand on parle de budget alternatif de 2025, nous pensons au chiffre 2022 parce que ces chiffres vont être nettement plus élevés. Et la pauvreté doit continuer à aller plus. Et si nous avons donc un cible, nous avons un engagement, nous avons une redevabilité, nous avons les ressources mises en place pour répondre aux besoins de ceux dont ils en ont besoin le plus. Un autre élément, quand on parle de véhicules qui pourraient, ou les vecteurs qui peuvent nous permettre d'atteindre ces objectifs, et ces vecteurs, ce qu'on peut dire, c'est faire face à l'insécurité alimentaire. On réfléchit par rapport à quatre dimensions. Quatre dimensions. Et ces quatre dimensions, nous avons le supplément qui garantit les revenus pour les seniors. Nous avons l'avantage, le bénéfice pour les enfants au Canada. Et dernièrement, nous avons également l'allocation pour les handicapés au Canada qui est mise en place au mois de juin-juillet. Cette loi n'a pas encore été adoptée. Mais nous devons encore mobiliser et on se fait un plaisir d'aller de l'avant. J'espère que ceci va se faire pendant l'été. Et puis, nous avons actuellement, nous n'avons rien pour l'allocation pour l'âge de 64 ans. Et vous savez, ça, c'est pour les gens qui ont des familles, pour le bénéfice, l'allocation pour les enfants. Ça, c'est pour les gens qui ont des enfants, mais pas pour les gens qui n'ont pas de famille. Donc, nous voyons qu'il y a un écart ici par rapport aux enfants, par rapport de voir les programmes que nous avons. Si le gouvernement peut créer quelque chose, alors... Donc, bien sûr, nous avons un besoin, nous avons... du point de vue de que nous avons quelque chose qu'on appelle le supplément. Et bien sûr, ce sont tous la même chose pour différents, pour répondre aux besoins. Donc maintenant, c'est au gouvernement de voir qu'est-ce qui répond, leurs capacités et les besoins. Mais là, nous avons ici de différentes idées. Et nous avons noté autre chose que nous avons pensé pour souligner ces différents points. Le développement de CDP et l'allocation des allocations doit être régulée pour répondre aux besoins. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le CDB et le CLI et le GIS sont déjà basés sur un index d'inflation. Donc, ils prennent l'inflation et ils sont capables également de prendre en considération les dynamiques. Et donc, si on peut mettre en place des programmes qui peuvent refléter ces programmes, ils doivent être recalibrés d'une manière ou d'une autre. Et ils pourraient fonctionner. Donc, nous devons renforcer ce point en nous concentrant sur d'autres populations. Et quand on réfléchit au GIS et le CCB, en parlant de recalibrage, on réfléchit entre autres à nous assurer que les ressources investies dans ces programmes ciblent ceux qui sont les plus vulnérables, ceux qui vivent dans l'insécurité alimentaire ou qui vivent dans une pauvreté, très, très grande pauvreté. Nous devons donc réfléchir de façon différente par rapport à ces situations que vivent ces communautés. Maintenant, nous allons parler comment nous faisons face à la souveraineté alimentaire pour les populations autochtones. Ça veut dire des choses différentes. Dans le cadre de ce programme, nous devons identifier des initiatives existantes et essayer de réduire les écarts. Nous réfléchissons à la création de mise en place d'un programme de souveraineté alimentaire pour les populations autochtones. Ceci implique les gouvernements à tous les niveaux, que ce soit au niveau fédéral, municipal, et relié aux communautés autochtones, les Inuits, les Tapirites, les Kanatami. Il doit répondre aux besoins alimentaires des différentes communautés. Et si on avait un programme solide
qui ne portait que sur la souveraineté autochtone et qui pourrait avoir différentes dimensions. On commence par un cadre alimentaire pour les communautés autochtones pour faire face, pour que ces communautés autochtones puissent répondre à leurs besoins alimentaires. Nous n'allons pas réinventer la roue. Nous avons déjà un travail en cours au sein des communautés autochtones. Ici, quand vous avez la communauté Tapiri-Kanatami et Inuit, ils ont une politique par rapport, et ils ont également des stratégies pour la population autochtone et ils doivent être appuyés. Nous avons d'autres communautés qui n'ont pas d'autres stratégies ou programmes en place et ils doivent être appuyés pour faire leur travail. Ceci va aller vers les bases. Par exemple, quand on réfléchit au Canada qui rentre dans des accords, en parlant de communautés coloniales, alors qui portent sur comment nous devons travailler sur les terres, les eaux, les ressources forestières, en respectant la connaissance autochtone que nous n'avons pas respectée à cela. Quand on parle de la sécurité des communautés autochtones, ce que nous entendons de nos partenaires, c'est que comment nous pensons à la réforme, comment nous pensons à la distribution des terres, comment ces accords sont mis en place et réfléchir à la sécurité alimentaire par rapport à cette perspective. Nous avons réfléchi également à intégrer comment nous intégrons le système technologique dans les lois fédérales par rapport au système alimentaire. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est que quand on parle des communautés autochtones qui existent depuis longtemps, qui existent depuis des milliers d'années, ces communautés autochtones ont conservé des terres, les eaux, l'air, les forêts, et ce que nous appelons le Canada aujourd'hui. Ceci doit compter pour quelque chose. Ceci est très pertinent. Mais nous n'avons pas cela. Je parlais en fait des politique de conservation basée sur le marché qui est extractif, extra, sur l'ex, qui est basée sur l'extractivisme. On parlait également du climat. Et ça ne fonctionne pas forcément quand on parle des communautés autochtones. Nous perturbons leur système alimentaire, nous perturbons leurs traditions, leurs méthodes d'avoir leur alimentation, leur culture, mais également de la chasse. Et si nous voulons que cette sécurité alimentaire puisse faire partie de la loi, nous devons progresser. Car cela veut dire qu'en premier lieu, nous avons notre redevabilité, mais nous avons un espace de faire la promotion des choses qui marchent, car ces choses fonctionnent depuis des millénaires. Alors, comment pouvons-nous réfléchir à ces choses et les mettre en avant et pour promouvoir la sécurité alimentaire d'une perspective de population autochtone? Nous avons ce que nous appelons l'infrastructure, le fonds de. Nous avons également le fonds de souveraineté d'alimentation des populations autochtones qui permet d'avoir une distribution de distogaz des aliments. Et celui-ci se concentre sur les communautés. C'est une initiative qui est assez excellente car elle se concentre au niveau local. Et nous avons noté qu'en termes de. Quand nous regardons les PBO et comment le financement est apporté et comment ce financement est utilisé, nous avons une disparité. Nous avons moins de 5% ou moins de 10% de financement qui va vers les communautés autochtones. Et nous avons pensé. Et qu'en est-il si on pouvait doubler ces financements? On peut proposer de doubler le financement qui va vers les systèmes alimentaires autochtones. Et ce montant, bien sûr, n'est pas très adéquat. Il est important d'améliorer ce qui se passe. Et nous devons réfléchir également des voies et moyens pour faire la promotion des réconciliations dirigées par les communautés autochtones. Car quand on réfléchit à l'alimentation, il est important de comprendre qu'au sein des communautés autochtones, il ne s'agit pas d'alimentation, il s'agit de la spiritualité qui entre en jeu. Nous avons une dimension socio-économique. Il s'agit d'une compréhension consolidée, exhaustive de l'alimentation. Ceci doit être dirigé par les communautés autochtones parce que nous ne savons pas ce que cela veut dire. Nous devons être éduqués, nous devons être informés. Comment pouvons-nous
leur suggérer au gouvernement fédéral de donner un espace pour que la réconciliation, la guérison puissent être prises en considération. Nous avons également un autre point, c'est le programme de nutrition Nord du Canada. Nous avons ce fonds pour la recherche et la sécurité qui fait la promotion de systèmes alimentaires et qui a des dimensions. Nous avons ce programme de plusieurs dimensions. Nous avons également noté que l'un des problèmes clés, et notamment dans le nord du Canada, c'est que permettre à ce système alimentaire d'être durable, quand on parle à la chasse, quand on parle de chasse, par exemple, qui est un système alimentaire autochtone, il est difficile d'équilibrer cela parce qu'il n'est pas payé. Et s'il est payé, peut-être que le salaire serait faible. Et ceci enlève un point dans le système alimentaire d'autochtones. On ne parle pas seulement de la chasse, on parle des autres systèmes alimentaires autochtones. Qu'en est-il si on pouvait rééquilibrer les fonds financements alternatifs fédéraux pour que 50% puissent aller vers ces programmes de culture, les programmes de chasse et les programmes qui permettraient à la communauté autochtone de s'approprier les alimentations, avoir accès à une alimentation qui est ancrée dans leur vie spirituelle, dans leur vie socio-économique. Nous devons également et nous suggérons de recalibrer tout ça. Quand nous voyons le fonds qui va vers INC, ce fonds est très faible. Généralement, il est moins de 100 millions de dollars par an. Et nous pensons, qu'en est-il si on avait en plus des 100 millions d'avoir 500 millions de plus sur 5 ans. Au moins, on pourrait avoir le double de ce chiffre. Et bien sûr, ce chiffre peut être négocié. Ce montant peut être... Nous avons 40% de fonds vers une base de ligne, vers les systèmes alimentaires autochtones pour la pêche, la culture. Alors, ça serait intéressant. Maintenant, nous allons passer vers les interventions sur l'insécurité alimentaire dirigées par les communautés noires. Alors, c'est une approche qui est intéressante. Nous devons avoir un plan national qui fait face à l'insécurité alimentaire par rapport à la communauté noire. Nous ne l'avons pas au Canada. Et les communautés noires sont très diverses, comme les communautés autochtones. Elles sont diverses dans leurs propres droits. Ils ont des systèmes alimentaires qui sont tout à fait différents. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir un cadre qui réponde à leurs besoins selon ces systèmes alimentaires pour les communautés noires. Et ceci doit être financé pour que celui-ci puisse se produire, puisse être une réalité. Et dès que nous avons ce système, nous avons une approche en place et nous avons d'autres priorités qui pourraient être spécifiées pour répondre à ce besoin. Et quand vous réfléchissez par rapport à la recherche, j'avais mentionné les systèmes alimentaires, l'approche alimentaire au sein des communautés noires que nous ne connaissons pas et qui abordent certains besoins spécifiques. Nous devons avoir des recherches qui portent et qui documentent ces interventions. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'insécurité alimentaire des communautés autochtones, de la souveraineté des communautés autochtones. Nous devons l'atteindre, mais nous n'avons pas beaucoup de littérature sur la souveraineté des communautés noires. Et donc, nous devons avoir des recherches dans ce sens. Et avec la connaissance, nous avons des preuves qui informent les interventions. Et nous avons noté également que nous avons une très bonne initiative qui appuie l'initiative de l'insécurité alimentaire au sein des communautés noires dans le contexte canadien. Pour ceux qui ne connaissent pas cette initiative, elle appuie des organisations qui font face, en fait, au racisme, le racisme contre les communautés noires dans tous les espaces. Ça peut être au travail, à l'école, ça pourrait être dans l'espace alimentaire. Et comment approchons-nous l'alimentation d'une façon inclusive, approche l'alimentation d'une façon inclusive. Et nous avons également un objectif au sein de cette initiative d'avoir de nouvelles priorités. Et on voulait tirer profit de ces
pour dire que l'une de ses priorités, c'est la sécurité alimentaire, car nous savons que la communauté noire souffre plus d'inégalités. C'est une préoccupation, alors qu'il représente une grande partie de la population. Par rapport à la priorité, la sécurité alimentaire devrait être l'une d'entre elles. Donc, nous avons pensé à suggérer un programme additionnel qui, avec un fonds dédié, et nous allons voir avec Karen pour voir comment on peut renforcer les systèmes alimentaires. Nous avons déjà des organisations, et peut-être que vous devez savoir que quand nous regardons l'histoire des communautés noires au Canada, nous avons beaucoup d'organisations noires qui n'ont pas de financement du gouvernement. Ils s'autofinancent. Et, par exemple, ils tirent le financement des églises et d'autres, mais nous n'avons pas de connaissances concernant ces organisations. Nous faisons la promotion de ces aspects. Ce sont des choses qui sont très importantes pour les communautés noires. Alors, qu'en est-il si nous pouvons les mettre en lumière? Nous pourrions aller très loin en matière de sécurité alimentaire. Et enfin, nous pensons aux enfants. Quand on parle des enfants, la malnutrition chez les enfants est très importante. Nous avons 8,9 millions d'enfants et nous avons un programme d'alimentaire pour les enfants qui couvre 1 milliard par an. Et nous avons les enfants au sein de la famille. Donc, nous avons un effet, nous savons que le Canada est l'un des premiers pays qui n'a pas ce programme. Mais nous savons que le gouvernement a dédié un nom et s'est engagé pour établir un programme pour l'alimentation dans les écoles. Nous devons travailler dans ce but. Nous avons un travail qui est fait pour plaidoyer dans ce sens et pendant des années. Et donc, nous devons continuer. Et nous avons pensé que ceci pourrait vraiment nous permettre de réimaginer si on voit le contexte de l'école, nous ne voulons pas réduire l'intervention par rapport au programme de nutrition. Nous voulons avoir plus d'inclusion, d'accessibilité à l'école, notamment si ceci est conçu avec un aspect universel, avec les compétences, et ce sont là des compétences que les jeunes enfants peuvent avoir. Ceci doit être complémenté par d'autres interventions dont j'ai fait mention auparavant. Je me ferai un plaisir de vous présenter un rapport qui est sorti le mois dernier, qui appuyait le programme pour l'alimentation dans les écoles. Nous espérons que ces choses se réalisent. Donc, je vais rentrer à la dernière phase de ma présentation. Je ne vois pas de... Je ne vois pas des individus. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser la question immédiatement ou vous pouvez attendre à la fin de la session. Mais je voulais partager certaines façons qu'on peut pousser ces idées parce qu'avec la politique, il s'agit tout de la consistance. Donc, il faut avoir un message consistant et continuer à dire que les choses ne marchent pas. Bien sûr, il y a des points qui marchent, mais il y a d'autres qui ne marchent pas. Ceux qui marchent, on peut les améliorer. Il y a des idées qui peuvent améliorer les choses à différents niveaux et dans différentes décisions. Mais la consistance est nécessaire. Donc, les choses qu'on va partager avec vous en ce qui a à voir avec le point de vue, mais pas le budget alternatif seulement. Sinon, les organisations qui ont travaillé avec nous, je ne peux pas parler de leur part. Donc, je vais justement partager ce qu'on fait et comment on peut continuer à travailler pour pousser ces idées. On a ce qu'on appelle le réseau d'organisations. C'est des organisations qui sont vraiment très passionnés. La situation alimentaire pour tous les citoyens. Donc, ces organisations travaillent ensemble et collaborent pour s'engager, collaborer et mobiliser même. Et il y a différents outils que vous pouvez recevoir, comme par exemple, si vous êtes une organisation
Et vous avez certaines limitations, mais vous n'avez pas le temps pour développer certaines stratégies ou certaines outils. Mais que peut-être une autre organisation a déjà fait tout ça. Donc, c'est une plateforme pour que les organisations puissent partager ses connaissances, ses métiers, ses outils et même ses idées. Donc, être une organisation alimentaire, bien sûr, il y a certains points, certains principes, ce qui a à voir avec le plaidoyage. M'excuse, le son de l'orateur se coupe. Plein de retour. On travaille avec les personnes directement chez eux et de aider cette mobilisation, d'aider cet engagement, hein, c'est suivre cet esprit vraiment. Cet esprit culturel, faire face à la situation systématique quand on parle à les inégalités coloniales, le racisme historique. On travaille autour de ça, on construit autour de ça pour mobiliser, pour s'engager. Donc, c'est une stratégie dont vous pouvez faire partie. La présentation sera partagée avec tout le monde pour vous donner une meilleure idée de comment vous pouvez aider. Assez récemment, on a pris le réseau des organisations alimentaires, on l'a élevé à un autre niveau, ce qu'on appelle le réseau régional. Donc, avec Good Food Organizations, on ne comptait pas avec une structure d'organisation dans la ligne régionale, si je peux l'appeler de cette façon. Donc, ce que je dis, c'est que la sécurité ou l'insécurité alimentaire se voit différemment dans les différentes régions. Donc, dans la région de l'Atlantique, elle est vraiment très différente à la région dans les prairies, par exemple, parce que les dynamiques sont très différentes. Alors, et si on s'organisait d'une manière qui pourrait parler le langage local, des priorités locales, pour nous approcher à ce qu'on appelle le réseau régional? Je sais que certains d'entre vous, vous connaissez, vous êtes familiarisés avec ce qu'on appelle les champions régionaux. Donc, on parle là des organisations qui sont à la tête de ces réseaux régionaux. Donc, ça pourrait être des organisations Good Food ou des centres communautaires. Donc, c'est un réseau que, quand ils travaillent ensemble, ils peuvent créer un mouvement national qui parle une seule langue. Donc, quand on parle de la coalition des revenus de base et les différents chapitres qui parlent des provinces. Donc, c'est plus ou moins la même chose, mais du point de vue de la d'insécurité alimentaire. Donc, si vous voulez savoir plus comment vous pouvez vous engager. Il y a d'opportunités de travailler, de participer à des campagnes de plaidoyage. Une des plus récentes était autour du CBD. Et vraiment, les résultats ont été très bons, on est content. Et on se mobilise pour les régulations et on fait le plaidoyage pour les règlements pour un premium adéquat pour la pauvreté et qui parle de la priorité des besoins pour les personnes handicapées. Donc, ça, c'est un point principal. Donc, on s'est associé avec la pauvreté, les handicapés, une campagne qui se déroule pendant toute l'année, qui continue. On a eu l'opportunité de bombarder le ministre des Finances avec plusieurs causes et on montrait, et on partageait le même message indiquant la même priorité de différents angles et de côte à côte, qui ont un poids énorme vraiment, parce que si le ministre Freeland, il voit une grande quantité de causes et de l'information et des chiffres terribles, ça parle des priorités locales, mais au-delà de ça, ça vient de différents angles. Donc, il y a une valeur quand on parle d'une organisation, mais la valeur se multiplie quand c'est plusieurs organisations. Il y a des opportunités aussi pour s'organiser et à contribuer avec les MP locaux. Et en réalité, ce qu'on apprend, c'est que la campagne des handicapés a
ouvre la porte à d'autres priorités très locales. Donc, vous contactez votre MP local et vous voulez parler du CDP, mais au moment d'arriver à votre organisation ou votre banque alimentaire, l'énergie se concentre autour du CDP, du housing, de l'assurance emploi, du chômage, entre autres. Donc, ça nous donne alors une fenêtre, un aperçu des autres priorités qui sont, qui représentent des défis pour ces personnes. Donc, ça, c'est un exemple que vous pouvez utiliser pour faire partie. Et bien sûr, on vous encourage de faciliter les impôts. Parce que, comme vous savez, dans le contexte canadien, notre système suit les taxes. Donc, pour recevoir ces bénéfices, il faut alors présenter la taxe. C'est un système qui existe depuis toujours. Bien sûr, il faut penser différemment, mais faites-moi confiance. Au moins pour le futur, ce système est là et il va rester. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut travailler avec le système, apprendre aux autres le système. Typiquement, ce qu'on voit de notre côté, c'est que les individus et les familles qui ne présentent pas la taxe sont les personnes qui ont plus besoin de ce programme, vraiment. Donc, il faut comprendre leurs défis. Il faut essayer de voir pourquoi ils ne présentent pas la taxe. Peut-être qu'ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas accès au système, ou c'est un système incompréhensible pour eux, ou simplement ils ne font pas confiance à ce système. Donc, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour démystifier et les encourager à remplir vos impôts? Donc, si vous déposez vos déclarations, vous allez recevoir de l'argent. Donc, peut-être que l'activité pour eux n'est pas trop facile, mais s'il y a une volonté, il y a une possibilité. Et même la connaissance, si vous savez comment faire ça, vous pouvez peut-être partager un entraînement et ça pourrait être une opportunité d'aider et d'avoir un aperçu de ce qu'on fait. Et bien sûr, il y a beaucoup de littérature. Donc, la conscience, créer conscience est très importante, spécialement avec les organisations. Mais aussi, ça, c'est le bénéfice de participer des réseaux et des coalitions. C'est que dans ces coalitions, il y a une organisation résiduelle. Il y a une politique qui peut créer la conscience, mais aussi les données. Surtout pour les organisations qui n'ont pas les ressources et le temps de créer ces ressources. Donc, on a un département qui se dédie uniquement à ça. Il se dédie à étudier les numéros et qui humanise ces numéros. Donc, la participation de cette coalition peut nous aider. Ce que les politiciens veulent savoir typiquement, c'est jusqu'à quel point est ce problème. Donc, si tu te présentes avec un problème, ce problème arrive à quel point et comment les sentir, donc qualitative et quantitativement. Sans ça, surtout dans la donnée, parce que si tu as la donnée, tu n'as pas la donnée, alors ils ne vont même pas recevoir. Donc, et c'est pour ça qu'on parle, il faut profiter des différentes opportunités. Je sais qu'entre nos associés, nos réseaux, on pourrait travailler ensemble pour aider à avoir une meilleure compréhension de tout ce qui se fait. Donc, je vous remercie énormément pour votre présence et pour m'écouter. Et je passe maintenant le micro pour la coordination des questions-réponses. Je retourne le micro à la première. Merci beaucoup, Anthony. Je vois les émojis, les réactions d'applaudissements. Tu peux arrêter le partage de ton écran. Je pense que maintenant, on peut retourner à la plénière du groupe au complet. Et tu nous as donné beaucoup d'informations, beaucoup à réfléchir sur ce qui est important, sur quoi on doit se concentrer, les priorités, les communautés qui sont affectées par l'insécurité alimentaire, l'idée pour recalibrer. Et vraiment, merci. Il y a beaucoup d'informations pour penser. On a
beaucoup de personnes. Et j'imagine qu'il y a des questions. Donc, j'aimerais ouvrir le micro à n'importe qui désire poser une question à Anthony. Vous pouvez ouvrir votre micro. Ou si vous voulez, vous pouvez écrire la question sur le chat. Je vous encourage de poser la question par ici en ouvrant le micro. Et bien sûr, s'il n'y a pas de questions, nous, on en a. On a des questions. Une chose que j'ai notée, le numéro de l'année 2021, est-ce que ces données sont présentées en même temps? Parce que j'ai vu une publiée en mai 2023. Donc, est-ce que c'est régulier annuellement? Donc, on peut voir le numéro de mai 2024. A little late, right? Like, because they came out like in May, June, thereabouts. They typically come Enfin, around. ce qu'il faut savoir, c'est que ces chiffres apparaissent à partir du mois de février-mars. Ils sont en retard d'un mois ou deux. Donc, les derniers chiffres devraient venir, nous devrions les avoir à cette même période de temps. Mais en plus de cela, j'aimerais dire qu'au mois de mardi, nous avons des données supplémentaires de StatsCan qui portent sur l'insécurité alimentaire. Ce que je trouve très utile, les chiffres ne sont pas vraiment différents de ceux qui ont été rapportés auparavant, mais l'analyse en matière de au-dessous de la pauvreté sont très importantes. Ça veut dire au-dessus de la ligne de sécurité, l'insécurité alimentaire au-dessous de la pauvreté, ligne de pauvreté et au-dessous de la pauvreté. Et donc tout le monde est affecté en fait. Et je vous encourage vraiment de lire ce rapport. Et c'était pas vraiment la famine, mais en fait, nous allons essayer de voir le lien pour partager ce rapport que vous avez mentionné auparavant. Je vais m'arrêter pendant quelques minutes parce que je sais que si nous parlons, les gens peuvent peut-être avoir des hésitations à poser leurs questions. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez être très timide et vous pouvez prendre la parole à n'importe quel moment. Nous avons une question sur le chat. Merci beaucoup, Christine. Alors, Rodrigo pose la question. Quelles sont les recommandations pour faire pour que les écoles de New Brunswick puissent préparer les politiques qui sont discutées au niveau fédéral afin d'aborder les programmes alimentaires à l'école? Très bien. Alors, je ne suis pas un expert, hein, en programme sur l'alimentation à l'école, hein, mais je dirais ce qui suit. Alors, nous avons eu des discussions avec des différents partenaires et avec les communautés locales. Et numéro un, nous avons mentionné que le programme de nutrition à l'école, le message est très important. Nous avons besoin d'un programme parce que celui-ci, programme pour l'alimentation à l'école, est très important pour les enfants, pour les familles. Et deuxième point, ceci encourage de meilleurs résultats éducatifs, la participation des élèves et même éviter l'abstentéisme. Et nous devons également, deuxième point, nous assurer que ce programme ne va pas remplacer les programmes d'insécurité alimentaire, n'est-ce pas? Et donc, parce que nous aurons beaucoup d'argent qui vont aller dans ce programme national. C'est 1 milliard de dollars par an. Et ça, c'est du gouvernement fédéral. Donc, nous encourageons la collaboration entre les provinces, avec les communautés autochtones, avec les programmes spécifiques qui sont dirigés par les communautés autochtones et d'autres partenaires privés, les organisations privées qui dirigent ces organisations. Nous avons besoin d'une collaboration des différents secteurs. Donc, nous avons beaucoup d'argent qui rentre dans ce programme, mais ceci ne doit pas être vu comme un remplacement parce que le gouvernement dit, oh, j'ai fait quelque chose, OK, par rapport à l'insécurité alimentaire. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir une approche multisectorielle. Le message clé est important, la collaboration est importante, le message est important, la communication est importante. Je ne sais pas si les consultations, quelles sont les prochaines étapes pour la consultation, parce qu'ils viennent juste de publier le rapport après cette consultation. Donc, je ne suis pas trop sûre quelle est l'étape suivante en termes d'élaboration de ce programme. Nous allons voir avec la déclaration économique. Si nous n'avons pas cette déclaration, nous devons pousser les choses pour s'assurer que ceci soit introduit dans le budget 2024. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup, Anthony. J'aimerais rebondir sur ce point pour dire que ici au New Brunswick, nous avons un parlementaire
Abani Balzek, qui a mis un projet de loi pour mettre en place un cadre national pour un programme national pour l'alimentation à l'école. Et Food for All, ou Alimentation pour tous, a été en contact avec certains départements de l'éducation et des consultants. Rodrigo, suivez notre communication. Nous prévoyons d'organiser quelque chose qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe au niveau provincial. Je regarde Christina Land, qui est dans la région de New Brunswick et qui nous aide également à rassembler les parties prenantes. Donc, dans toutes ces régions, nous avons beaucoup de choses qui se passent. Et j'aimerais également mentionner que de la perspective nationale, nous entendons que la deuxième lecture de cette loi de projet de loi devrait doit voter peut-être de cette projet de loi devrait se faire au mois d'avril 2024. Donc, nous avons beaucoup d'activités qui se font dans ce sens. Nous avons une autre question pour vous, Anthony, de Wendy Keats. Et elle dit merci beaucoup pour cette excellente présentation. Elle se posait la question, qu'est-ce que le centre d'alimentation pour le Canada pour mettre un label sur ses idées? Alors, ce qu'il faut savoir, est-ce qu'il existe des idées à démontrer comment ces idées coûtent et pour réduire les coûts pour les payeurs, pour généralement, nous ne voyons pas cette valeur économique en réduisant peut-être les soins de santé. Alors, qu'elles pouvaient réduire? Donc, pour réduire les coûts pour les contribuables. C'est une excellente question. Merci beaucoup, Wendy. Alors, ici, FCC, nous avons mis en place un label pour supplémenter certains efforts. Nous avons effectué une simulation des politiques l'année dernière. Nous avons publié un rapport dans ce sens. Et donc, ce Supplement Canada essaie de bénéficier ou de changer les programmes d'allocation canadienne en d'autres programmes. Donc, nous essayons d'aller sur le marché du travail. Et si vous gagnez moins de 2 000 $, vous n'avez absolument rien. Mais nous savons que les individus et les familles qui vivent l'insécurité alimentaire et la pauvreté n'ont pas de revenus qui viennent du travail. Donc, si on veut transformer cela en un programme de réduction de l'insécurité alimentaire, nous avons besoin de mettre en place ce programme. C'est une option. J'ai entendu d'autres organisations qui portaient sur la transformation de GSTS et ce programme. C'est un autre outil. Mais pour CFCC, ce que nous avons pu faire est de moduler ce programme pour des adultes qui ont de 16 à 64 ans, qui n'ont pas accès à d'autres formes de programmes, qui comptent sur les transferts du gouvernement. Combien ceci coûterait? Donc, notre modèle, en total, il s'agissait de 7 milliards de dollars. Et on pensait, en fait, avoir 4 000 de dollars de payer pour à chaque personne comme début. Pour un montant, ça dépend du revenu. Vous avez bien sûr une entrée, sortie, donc plus vous avez de monde, plus votre revenu augmente. Donc 3 000, ça sera le point de départ pour tout le monde et 1 000 $ va être un fonds supplémentaire qui vous permettra de maintenir un travail parce que vous avez besoin de transport, parce que vous avez besoin d'habits pour aller au travail. Et donc, ceci a représenté 7 milliards de dollars. Et là, une autre idée, c'est qu'il s'agissait juste un bonus pour un seul adulte. Et on voulait cibler toutes les personnes qui ont de 16 à 64 qui n'ont pas accès à ces bénéfices, qui n'ont pas accès aux allocations familiales, aux allocations d'enfants. Donc, nous devons réfléchir à ces points. Nous n'avons pas encore mis un prix, mais pour les adultes célibataires, nous avons mis en place cette simulation. Si nous avons 7 milliards, si le gouvernement constate que 7 milliards est beaucoup, mais si on commençait juste par enlever les critères d'éligibilité de 3 000 $ de revenus pour le CWP. Donc, nous enlevons cette barre parce que nous avons beaucoup de personnes qui profitent des programmes existants pour moins de 7 millions de milliards de dollars. Donc, si nous modelons cela, alors ça pourrait être 7 milliards. Alors, en gros, si on comprend tout le monde, ça sera moins de 4 milliards de dollars.
Donc, c'est nettement mieux que 7 milliards de dollars si on enlève ces critères d'éligibilité. C'est un remplacement. C'est ce que nous avons pu mettre en place comme automatisme, ce que nous avons, mais il pourrait y avoir d'autres programmes de d'autres organisations. Et ce que j'aime énormément en termes d'idées, ces idées, on peut les appeler comme on veut, mais ils veulent dire la même chose. On peut les appeler le revenu de base, le SMIG. Ils ont des noms différents, mais l'objectif est de donner à ceux qui n'en ont pas. Nous avons quelques questions de notre équipe interne. Et l'une de ces questions, c'est quand on parle du budget fédéral. Quel est le meilleur moment pour influencer la décision du gouvernement fédéral? Et quelles sont les tactiques? Je sais que vous avez partagé un chiffre avec nous, mais à qui devons-nous parler? Quelles sont ces idées que vous pouvez partager avec nous? Alors, je pense toujours, le meilleur moment, c'est toute l'année. Hein. C'est toute l'année. D'accord, c'est toute l'année. Parce que rappelez-vous toujours, j'avais parlé de consistance. Donc, si vous êtes consistant avec votre message, alors vous devez l'être toute l'année. Vous savez, nous, on se voit souvent, tout le temps, un peu trop. Avant, la budgétisation ne sort, nous avons des consultations et ainsi de suite. Et puis, ces organisations ou le CFCC se dit « oui, nous avons besoin de cela ». Et les décideurs vont dire « oh, mais qui vous êtes-vous » parce que vous n'avez pas créé cette relation au préalable. Et vous n'avez même pas créé cette consistance toute l'année. Donc, vous devez être actif dans cet environnement, que vous parlez aux médias, que vous écriviez un éditorio, que vous êtes connecté avec des responsables, de hauts responsables, du personnel, des politiciens. Vous devez être consistant en matière de message, à votre messagerie. Ça, c'est le point numéro un. Numéro deux, vous devez venir avec des solutions, n'est-ce pas? Parce que vous ne voulez pas aller au gouvernement avec des problèmes. Parce que vous avez des personnes qui sont des gens comme nous, ils n'ont pas le temps pour créer des solutions. Les solutions doivent venir de nous. Et donc, on parle des chiffres, le budget, tout ceci est problématique, ce sont des options. C'est tout ce que nous pouvons faire, c'est nous avons fait du travail pour vous. Et donc, on va aller vers eux et leur dire, nous avons fait le travail et nous avons des solutions. Comment on peut vous aider pour mieux faire votre travail? De cette manière, au lieu de dire, vous devez faire ça pour nous. D'accord? Et si vous êtes consistant toute l'année, alors en fournissant des solutions, les options, donc ils vont vous écouter, je pense. Oui, c'est un excellent point. Donc, la façon avec laquelle nous avons notre système est établi, nous changeons les positions de personnes chaque 4 ans et ce n'est pas un système qui est établi. Ça ne facilite pas les choses d'avoir ces changements à long terme parce que ça prend énormément de temps et ça prend énormément de relations. Et juste pour rajouter une autre anecdote, vous avez parlé quel est le meilleur moment. Alors, je vais mentionner la persistance parce qu'il est très important d'être persistant. Mais bien sûr, vous avez des jonctions stratégiques qui influencent les choses. Quand vous faites les déclarations économiques la semaine prochaine, alors peut-être que dans un mois ou deux, vous devez avoir commencé à établir votre message, votre coordination, à commencer votre engagement. Le budget 2024 sort au mois de mars ou avril, peut-être au mois de janvier, dès que tout le monde revient des célébrations du Nouvel An, commencez à moduler, à élaborer votre message. Écrivez votre message qui va aider, mais gardez toujours que vous devez être constant et présent toute l'année. Ça serait l'une des habitudes des personnes les qui réussissent le plus dans la vie, n'est-ce pas? La consistance est un élément clé. Alors, je regarde le temps. Il nous reste 2 minutes. Et donc, je vais donner un espace peut-être pour une question avant de partager les derniers détails pour finir. Est-ce que nous avons quelqu'un qui voudrait prendre la parole? Peut-être sortir, activer le micro et parler? OK, alors moi, j'ai une question. Anthony, est-ce qu'on peut vous inviter encore une fois? Est-ce qu'on peut faire plus, peut-être, rentrer dans les détails et dire, OK, j'ai des pouces. OK, c'est excellent. Et donc, Anthony, selon ma perspective, dans l'alimentation pour tous, nous voulons créer des espaces pour mobiliser. Est-ce que vous voulez revenir chez nous et appuyer plus? Alors, j'ai juste vous pointer. Hein. Vous n'avez pas le droit de dire non, d'accord?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne pourrais pas dire non. Pour être la réponse honnête, c'est non, je reviendrai. Oui, je reviendrai. Pour ce qui est de la sécurité, pour la réduction de la pauvreté, pour la sécurité alimentaire, je suis toujours disponible. Dites-le-moi en avance et les choses se feront d'elles-mêmes. Et une dernière question, peut-être avant de partager notre lien pour votre sondage. Un des membres de notre équipe a mis des questions. Nous avons l'une des questions. Qu'est-ce qu'un mythe par rapport à la sécurité alimentaire que vous voulez, que vous voulez un peu démanteler? Alors, il y en a plusieurs mythes, hein, sur l'insécurité alimentaire. Alors, je vais garder donc le marché du travail. Donc, le marché du travail ne fonctionne plus, les gens travaillent, mais ne peuvent pas se permettre de manger. Nous avons l'inflation partout, nous avons la productivité économique qui baisse, mais l'inflation est en fusée et qui monte en fusée. Donc, les gens vous disent, allez travailler, mais même en ayant un emploi, on n'arrive pas à répondre à ses besoins. C'est un mythe, en fait. Ça remonte à 6-7 ans de cela. Donc, les gens vraiment ont besoin d'appui des autorités. Merci beaucoup. C'est vrai. C'est vrai. Donc, nous sommes à 2h28. Nous arrivons à la fin de notre premier. Si. Alors, j'aimerais dire merci beaucoup, beaucoup à Anthony d'avoir été présent avec nous, d'avoir préparé cette excellente présentation, de nous avoir menés à travers tout ce processus et à travers toutes ces belles idées pour avoir un impact sur l'insécurité alimentaire. J'aimerais dire également merci à un de nos porteurs fondateurs, à Safia et Alfredo. Merci à vous d'avoir assuré l'interprétation et bien sûr à l'équipe Alimentation pour tous d'avoir préparé cette réunion. Et enfin, et pas des moindres, toutes les personnes qui étaient présentes. Merci à tous les participants. On vous remercie d'avoir été présents avec nous. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons mettre un lien dans le clavardage pour que vous puissiez remplir un sondage et dites-nous ce que vous avez pensé de cet événement, ce qu'on pourrait faire à l'avenir, mais également des liens pour accéder à toutes les ressources pour alimentation pour tous. Une dernière note, Maria Rodriguez dit, alors blâmer le marché est un mythe. Les politiques d'échelle doivent, c'est une autre manière. Donc nous devons changer beaucoup de choses. Merci, Anthony. Merci à toutes les personnes ici présentes. Il nous tarde de vous faire revenir, Anthony, pour autre chose. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Merci. Au revoir à tous. Excellent après-midi à vous tous. Merci à tous et au revoir.